Et Donc, quand il reste à sa place, il ne change pas, il reste le même et il ne fait aucune action, donc il n'y a pas d'ishtaglout. Alors, comment on peut répondre à ça? Ok, c'est très très simple. La question, on va répéter la question, Be'ezrat Hashem. C'est bon, tu peux envoyer de ce côté maintenant. Et la question qui a été posée, elle est simple. Elle dit, je comprends pas. Chaque homme, c'est marqué dans Parashat, comment on appelle ça? Be'ha'alotra et anerot el moul pene amenorah. Que c'est toi qui dois amener dans le. C'est toi qui dois amener dans le monde le feu de la menorah. Comme tu dois, toi, amener dans le monde le feu de la menorah, mashma qu'un homme, il a l'obligation de faire sa ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire un effort. Ok? Donc il doit faire un effort. C'est quoi l'effort d'amener du feu? De mettre la bougie et que ça s'allume. De là, on apprend que la ishtadlut, c'est même une mitzvah. Ok? Très bien. Alors la chéla, c'est combien d'ishtadlut faire? Alors il y en a un qui va te dire, pour faire la ishtadlut, il faut absolument rentrer dans le mamad, au quatrième. Il faut aller dans la. Comment dire le mamad en français? Chambre forte. Dans la chambre forte. Il faut aller dans la chambre forte, en dessous du quatrième étage. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une bombe atomique qui va arriver, donc il faut tout le temps aller au quatrième mamad. Il y en a un qui te disent non. Et comment on appelle ça? La ishtadlout à faire, c'est juste te mettre derrière un mur. Tu sais que les bombes, elles arrivent de Gaza. Tu te fais la ishtadlout, tu bouges d'un endroit à l'autre, ça suffit. La même chose dans le travail. Il y a quelqu'un qui fait un gros gain d'ishtadlout. Ça veut dire quoi? Il fait trop d'ishtadlout. Sur qui on a vu ça qu'il a fait trop d'ishtadlout et à cause de ça, il a pris une peine parce qu'il a fait trop d'efforts? Yosef HaTzadik. Il a dit. Zechartani veizkartani, rappelle-toi de moi et rappelle-toi. Qu'est-ce qu'il a eu à cause de ça? 2 ans de prison en plus. Donc quelqu'un qui fait trop d'ishtadlout, quelqu'un qui fait trop d'efforts pour gagner son gagne-pain, c'est aussi une avéra. Maintenant, comment savoir? Ça, c'est très personnel. C'est très personnel. Ça veut dire quoi? Quand un rave général dit, Kvod Arav, est-ce qu'il faut rentrer au mamad ou pas? Le rav, il sait pas c'est quoi ton degré d'émouna. Donc il te dit, tu rentres au mamad, bêtard. Le Pikoud Haoref, ils ont dit qu'il faut que tu rentres au mamad. Donc tu rentres au mamad, c'est ton degré de ishtadlout. C'est ton degré d'effort que tu dois faire. Maintenant, si toi tu sais que ta émouna, elle est bien plus grande que ça. Comme il y en a un qui dit, je lui dis à un élève, je lui dis, écoute, si tu veux, prends un revolver. Il me dit, moi, j'ai pas besoin d'un revolver. Je suis ma'amine dans un Kadosh Baruch Hu, que je n'ai pas besoin d'avoir un revolver dans ma main. Je sais que le Mehabel, il ne viendra pas ici. Et l'autre, il va dire, non, non, il faut absolument, c'est une très grande mise. Ok. Chacun avec son degré de Emouna. Chacun avec son degré de Emouna. Tu crois que les Khayalim, ils ont quel degré d'Emouna quand ils rentrent là-bas à Gaza? Ils ont plein d'Emouna. Et ceux qui tiennent, ceux qui, Be'ezrat Hashem, une bonne santé à tous, c'est parce qu'ils ont cette Emouna-là. Kadosh Baruch Hu, il leur donne et que nous on est derrière pour leur donner cette simcha et ils savent qu'on est tous derrière pour justement cette ishtadlut, elle fait en sorte et cette ishtadlut, c'est-à-dire que cet effort, elle fait en sorte que justement, eh bien, elle soit au niveau de ta emouna. Maintenant, chacun il doit savoir c'est quoi son niveau de emouna. Donc, quelqu'un qui te dit, moi je suis dans ma prière. Je ne bouge pas de ma prière quand je rentre dans le mamas. Je ne bouge pas de la prière. Alors, tu dis, écoute, si c'est ton degré d'émouna, il n'y a pas de problème. Comme le gris. Le gris, il ne bougeait pas de l'endroit où il était. D'accord? Maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire ça, justement. Je dis le contraire. Il faut aller parce que je ne sais pas qui est-ce qui me regarde. Peut-être que les gens qui me regardent, ils n'ont pas ce degré d'émouna. Ils n'ont pas cette peur-là. Donc ça, c'est la réponse à votre question. Donc savoir c'est quoi le degré de l'ishtadlout qu'on a à faire.